Et salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Miminet Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Présentation de ma petite collection Wii. C'était vraiment la console, ma console de cœur. Avant, c'est vrai qu'on jouait sur la PS1, PS2 et avant la sortie bien sûr de la PS3, PS4 avec les manettes sans fil et Bluetooth. Du coup, je trouvais le concept de la manette et de jouer à distance extraordinaire. Du coup, c'était ma toute première console préférée et j'en ai passé autant de temps dessus. J'ai une petite collection aujourd'hui, je vous la présente. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Et je voudrais remercier tous les abonnés, tous les anciens et les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner à ma chaîne. J'espère que mon contenu va vous plaire et continuez à me soutenir. Merci beaucoup et juste, on se retrouve juste après l'intro. A tout de suite. Je vous présente ma toute petite collection de jeux Wii que je possède. J'arrête pas d'acheter de la Wii, franchement. J'adore cette console. Je trouve qu'elle est très résistante, franchement. Niveau manette, accessoires, c'est vraiment génial. Et du coup, voilà, je vous montre ma toute petite collection, mes jeux préférés sur cette console. J'espère que ça va vous plaire. Alors, on commence par le Quantum of Solace, le 007. Voilà, un excellent jeu. James Bond, voilà, Bond est de retour. Un très très beau jeu. Bon, c'était pas moi qui jouais à ça parce que, voilà, mon conjoint, il adore les 007. Du coup, je l'ai laissé pour lui. Moi, franchement, je n'ai pas testé ce jeu, je n'ai pas joué avec. Ensuite, le Super Mario Galaxy, un très 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 bon jeu. J'ai passé du temps, j'ai pas fini le jeu par contre, mais c'est une raison de plus, il vient de sortir sur la Switch. J'ai commencé à jouer à ce jeu, je trouve que le graphique il est excellent par rapport à deux autres jeux qu'ils étaient avec. Franchement, un jeu à posséder, à tester, voilà. Le Mario Galaxy. Ensuite, le Smash Bros. Malheureusement, je l'ai que en version select. Un très très beau jeu. Celui-là, je l'ai fini vraiment. Je trouve que franchement, la maniabilité excellente. Franchement, les graphismes. Comme j'ai un petit accessoire HD, je trouve que le jeu il est top. Franchement, bon, il y a une petite un petit collier Smash Bros. Ah, c'était un cadeau, je gardais dans la boîte. Voilà, voilà. Le Smash Bros. Brawl. Voilà. Puis, on a le Wario War Smooth Move. Ça, c'était très rigolo. Je jouais franchement avec ces jeux. Voilà, je trouve qu'il y a des mini-jeux très sympas. Là, il est affiché à 9 euros, mais franchement, je l'ai pris à 2 ou 3 euros en vide-grenier. L'état est nickel. La notice est là. Franchement, un jeu à conseiller. Très, très sympa. Je trouve que, voilà, c'est les niveaux à chaque fois,
ça augmente de difficulté. C'était trop marrant. J'ai tenté, j'ai essayé. Franchement, j'ai pas lâché l'affaire sur ce jeu. J'adorais vraiment à conseiller ce jeu. Ensuite, le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Un excellent jeu également. J'en ai joué vraiment beaucoup. On jouait à 4 et tout. Un excellent jeu. Je sais pas si j'ai la notice, je crois. Non, je n'ai pas la notice. Des fois, je mets les jeux à l'envers pour éviter de les rayer, hein, franchement. Et voilà, le Sonic. Mario Sonic. Ensuite, le GoldenEye. Comme je disais au début, ce n'était pas mes préférés. Le 007, c'était celui de mon mari. Voilà, il a joué, il a testé. Il est complet, excellent état. Voilà. Le Rayman Origins, ça, c'est un vrai régal, franchement. Un top. En plus, j'ai la manette classique, c'est très pratique. Un excellent jeu également. Je ne l'ai pas fini par contre, mais il est top. Ensuite, le Naruto Clash of Ninja 2 Révolution. Un jeu de combat très connu. Voilà, on a en plus la possibilité de jouer avec des manettes classiques, ce qui est super bien. Voilà. Après, c'est le Dragon Ball Z, le Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Ça, j'ai pas trop. J'ai aimé, mais j'ai pas trop passé de temps dessus. C'est des combats classiques, voilà, de Dragon Ball. C'est trop bien aussi. Un excellent jeu. Le Mario Party 8, un excellent jeu pour jouer à 3 ou à 4. C'est vraiment les mini-jeux qui est trop sympa. Voilà, il est en excellent état également. Un très très beau jeu. Franchement, j'ai aimé les Mario Party. Je les ai presque tous sur tous les supports. La Switch, la GameCube, je ne l'ai pas, mais sur la Wii et sur la Switch, je les ai tous. Et sur la Wii U aussi. Voilà, c'est des excellents mini-jeux à plusieurs. Voilà. Ensuite, le Wii Play. Ça, c'est le début, on va dire. C'est le début des jeux, mini-jeux sympas, des tirs, des chasses, etc. C'est classique, voilà. Après, le Wii Sport également, c'est un classique. Il y a des mini-jeux de sport très sympas. C'était. Quand j'ai acheté la console, c'était le jeu qui était fourni avec. Très beau jeu aussi. Le Lapin Crétin Retour vers le passé. Un très beau jeu. Très mignon aussi. Voilà. Je vais essayer de faire trop vite parce que là, ça va durer longtemps. Les Link Crossbow Training. C'est un jeu de tir avec le personnage de Zelda. Un très beau jeu. Là, on a le Super Mario Galaxy 2. J'ai essayé. Comme j'ai pas fini le premier, je n'ai pas commencé le deuxième. Voilà. Un excellent jeu également. Le Mario Kart classique, voilà, à posséder, ça c'est sûr. Un excellent jeu. Ça, c'est un jeu. Franchement, que je connais pas. Je l'ai vu dans un lot. Je l'ai pris parce que la jaquette m'a un peu attirée. J'ai essayé rapidement. J'ai pas passé de temps dessus. C'est une sorte de goutte d'eau qui, voilà, que vous manipulez la manette à distance. Voilà, c'est très bien. Et c'est une aventure. C'est un jeu d'aventure très sympa aussi. Voilà, je vous conseille de le trouver, franchement, il est trop bien à découvrir celui-là. Ensuite, les Tatsunoko Capcom Ultimate All-Star, un jeu que j'ai chopé en vide-grenier, c'était à 4 euros. En voyant la jaquette de loin, je dis ça, c'est pas connu. Et je l'ai pris direct, franchement, j'ai pas hésité, il était nickel. En excellent état. Ensuite, le Metroid M, Other M. Franchement, ça, j'ai pas le temps, je n'ai pas eu le temps de le tester.
Mais les Metroid, c'est connu, hein, franchement. Voilà, c'est à posséder aussi. Là, on n'en parle plus parce que là, tout le monde le connaît, tout le monde en jouait. Le New Super Mario Bros, franchement, excellent. Voilà. Ensuite, c'est le Mario Party 9. Celui-là, je l'ai acheté récemment. Parce que je possédais avant, mais franchement, je crois qu'il était rayé. Et ça bloquait sur un niveau. Du coup, j'en ai acheté un sur Rakuten. Je l'ai acheté, il est comme neuf. Excellent jeu. C'est la suite de du Mario Party 9, 8 plutôt. Les Just Dance, voilà, j'en ai beaucoup, hein, franchement, parce que les enfants adorent ça. Les Just Dance 2018, un très beau jeu de danse. Voilà. Un autre Just Dance 3, avec une jaquette édition spéciale. Le Just Dance 2014, excellent jeu aussi de danse, voilà, très bien. Puis le Wii Sport ressort. Ça me rappelle le Wii Sport, mais sur la plage. Mais il faut avoir le petit accessoire, le Motion Plus pour pouvoir jouer sur ce jeu-là. Le Just Dance 2015. Voilà. Le Mario, Super Mario, plutôt Super Paper Mario. Ça, j'ai chopé envie de grenier aussi. C'était à 5 euros, je crois. Comme je ne l'avais pas, moi je suis toujours à la chasse des Mario. Franchement, j'adore toute la série de Mario. J'ai joué un petit peu, j'ai adoré. Et voilà, il est excellent ce jeu-là. Alors, tac-tac, reste le Madagascar. Carte, c'est un très beau jeu de cartes. C'est ça, comme Mario Kart, mais avec les personnages de Madagascar, le film. Excellent jeu aussi. Le Rayman contre Lapin Crétin, encore plus crétin plutôt. Un excellent jeu, trop mignon, voilà. Le Mario Sport Mix, ça en fait, je l'ai trouvé en vide-grenier, il était à 12 euros. Et puis voyant la jaquette, j'ai pas compris, je ne savais pas que ça existe sur leur Wii. Et j'ai pris direct, c'est des mini-jeux. Des volley-ball, hockey, du basket, de doggy ball. Un jeu très sympa aussi avec faire du sport avec Mario, voilà. Très beau jeu. Le Wii Party, ça c'est classique. Avant, franchement, j'ai passé trop de temps dessus. On a aimé le principe de jouer en plusieurs et voilà, il y a des pièges. Vous pouvez jouer contre l'autre et au niveau d'avancement. C'était très bien, il y avait plein de suspense, un jeu très sympa. Voilà. Le Just Dance encore. Ensuite, le Monopoly. Ça, c'était ma fille qui avait adoré. Moi, j'ai pas essayé, elle a joué avec. Comme elle adore les Monopoly. Voilà. Acheté en cash. Le Mario. Power Tennis, voilà. Ensuite, les Zelda, Legend of Zelda Twilight Princess. Essayez, moi j'ai pas vraiment aimé les graphiques sur ce jeu-là, je trouvais que c'était un peu sombre. Après, je pas, et il y en a d'autres versions sorties sur la Wii. Franchement, c'est dur à trouver. J'ai entendu quel graphique il est meilleur sur les autres versions, du coup je suis à la recherche. Voilà le Zelda. Ensuite, le Resident Evil 4 édition Wii. Le Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Je les ai pas tous sur la Wii, mais je les ai presque tous sur la PS2. Ensuite,
Ça, c'était dans un lot. La jaquette me paraît un peu bizarre et pas trop commun. J'ai pris vraiment tout le lot. C'était dans une vidéo que j'ai faite il y a longtemps. Vous pouvez y aller regarder sur ma playlist. J'en ai pris presque 13 ou 14 jeux, je crois, et c'était à 45 euros. Et c'était ce jeu-là qui m'a un peu intriguée. Je voulais le prendre. C'est un très beau jeu, j'ai joué avec. En fait, c'est une sorte de plateforme avec une bille à manipuler avec la manette. Et vous passez d'un niveau à un autre. Trop sympa le jeu, je trouve. Pas trop commun. Et en plus, il est trop bien coté. Il est trop coté sur eBay. C'est pour ça que j'ai pris le lot. C'était juste pour ce jeu-là. Voilà, à trouver. Franchement, il est top pour la collection. Le Sonic and the Secret Ring, trouvé en vide-grenier récemment, pas en vide-grenier, c'était sur un cache, voilà, près de mon lieu de vacances. Essayé rapidement, mais j'ai pas trop accroché. Le Mario Kart, ah non, ça c'est le Mario Kart sur la Wii U. Ah oui, je les ai en double. Je savais pas. Ouais, je les ai en double. Le Mario Kart encore. Le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Excellent jeu, voilà. Il est différent par rapport aux autres, à l'autre Mario Sonic. Encore un Mario Sonic aux Jeux Olympiques Londres 2012. Jaquette jaune, boîte jaune, voilà. Excellent jeu. Ensuite, on a le Super Mario All-Star. Franchement, celui-là, c'est le 25e anniversaire. Il y a 4 jeux dans le CD. Franchement, celui-là, je l'ai trouvé dans une vide-grenier, dans un bac. Et c'était à 3 euros. Et franchement, en voyant sa cote, je me suis dit, c'est pas possible. Je l'ai essayé, il est excellent à posséder vraiment ce jeu-là. Ensuite, le Sega Superstar Tennis, acheté en cash, 4,99. Il est complet. Il y a la notice. Voilà. Après, ah, ça, je l'ai rentré récemment en vide-grenier. J'ai pas pu filmer. C'est un jeu de lapin crétin, c'est la partie collection. En fait, je ne l'ai toujours pas essayé, mais il y a, on va dire, il y a plus de 175 jeux dedans. Ce n'est pas trop commun, je n'ai pas vu sa cote, mais la jaquette m'a intriguée, je l'ai pris direct, c'était à 1 euro. 1 euro, voilà. Cérébral Academy sur Wii, ça c'est trop bien pour les enfants. Voilà, c'est un jeu de mémoire, de calcul, d'identification. Sympa comme jeu aussi. Ensuite, le Tomb Raider Underworld. Excellent jeu. Ensuite, le Final Fantasy Crystal, The Crystal Bears. Un excellent jeu. Voilà, le Final Fantasy. J'en ai qu'un seul sur la Wii. Je sais pas s'il y a d'autres sorties sur la Wii. Je savais pas. J'en ai trouvé qu'un seul. Excellent jeu aussi. Alors après, c'est le Wii Fit Plus. Moi, le Wii Fit, franchement, j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur la Wii, sur la Wii Fit. Je trouve, voilà, c'est très rigolo avec jouer avec des enfants ou avec des amis. Il y a des petits jeux sympas, que ce soit pour sur la Wii Fit et le Wii Fit Plus. J'ai les deux versions. Voilà, excellent jeu. Le Sport Island 2, des mini-jeux très sympas. Ensuite, ça, je l'ai trouvé en vide-grenier. Il n'est pas trop commun. Je ne sais pas si vous le connaissez.
J'ai essayé rapidement, franchement, j'ai pas trop aimé, mais comme c'est un Mario, j'ai pris direct. Ça ressemble au Mario Party, je crois. C'est vous jouez avec un dé, et ça joue avec plusieurs. C'est un jeu de stratégie. Voilà, j'ai pas trop aimé, j'ai commencé, mais voilà. Ça ressemble trop au Mario Party. Mais franchement, il est pas trop commun ce jeu. Dites-moi si je me trompe, parce que je pense que sa cote, c'est un peu, elle a un peu grimpé. Un très beau, très belle jaquette, très beau notice. Voilà, je l'ai pris direct. Fan de Mario, voilà. Après, on a la Wii Play Motion. C'est un peu plus évolué que la Wii Play. Il y a des mini-jeux. Vous pouvez jouer avec la Motion Plus, bien sûr, parce que c'est plus niveau maniabilité. C'est plus mieux que l'autre, quoi. C'est la Wii Fit, le premier. Ça, c'est trop sympa aussi. Comme le deuxième. Faire du sport. Et le Animal Crossing. Let's go to the city. Voilà, il est là, il est complet. Une jaquette. La notice. Voilà. Oups. J'ai pas vraiment aimé les Animal Crossing sur la Wii, je sais pas. Franchement, c'est pas mes jeux préférés, les Animal Crossing. Je l'ai sur Switch aussi, c'était pour la petite. Hein. Moi, je suis pas trop fan de ce jeu-là. J'aime bien les jeux d'aventure, les jeux de plateforme, etc. Les Mario. Et voilà, voilà, c'était ma collection jeux Wii que j'ai possède. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce. Ça m'encourage vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je vous retrouve bientôt sur d'autres vidéos. Bon, il fait pas trop beau. Je pense qu'avec le Covid, il y a plein de dates annulées, de vide-grenier. Mais je serai là. Il y aura d'autres vidéos, présentations ou autres, ou réparations. Je ne sais pas, je réfléchis. Mais vous inquiétez pas, je serai là. À très bientôt, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à plus les amis.